Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing partenariat avec la boutique A Diamond Painting. Donc je ne sais pas trop si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, ça s'écrit comme ça. Voilà. Donc j'ai eu contact avec cette boutique le 13 mai. Voilà, donc j'ai discuté un petit peu avec eux sur ce qu'ils proposaient. Et en fait, la dame avec qui j'ai discuté m'a proposé de m'envoyer trois toiles. Voilà, trois toiles. Je lui ai demandé si c'était possible de tester tous les diamants qu'ils avaient. Donc les diamants spéciaux, les diamants carrés et les diamants ronds. Donc elle m'a dit oui que c'était possible. Du coup, elle m'a envoyé normalement une toile de chaque. En fait, maintenant pour les partenariats, ce que la boutique propose, c'est d'envoyer un peu des toiles au hasard. En fait, vous ne choisissez pas le motif ni la taille. Et en fait, ils proposent ça aussi sur leur site. Pour ceux qui le souhaitent, voilà, donc vous avez des packs de 3, 5 ou 10 toiles, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est au hasard, voilà, ils vous envoient au hasard le nombre de toiles que vous avez choisi. Voilà, de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos et je vous mettrai aussi le prix de ce qu'ils proposent. Voilà, donc j'ai déjà ouvert juste pour regarder de qui ça venait parce que j'attendais pas de colis. Donc celui-ci, il a été expédié le 17 mai et je l'ai reçu aujourd'hui le 28 mai. Voilà. Donc on va découvrir, je vais finir de l'ouvrir, on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, on a une première toile. Voilà, donc c'est une toile en 30 par 40. Le motif a l'air super, on va regarder ça ensemble. Et vous voyez, vous avez même vous avez leur logo d'imprimé dessus. Voilà, à Diamond Painting. Donc c'est assez chouette. Donc on va voir la première toile ensemble. Je suis désolée pour le plastique. Je ne sais pas si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Ah, on a un petit morceau de plastique avec. Voilà. Donc, on va la découvrir. Donc, pour l'instant, on va laisser la toile de côté. On va regarder le toolkit. Donc on a une petite barquette blanche avec le petit bec, on a un petit pain de colle, on a deux stylets, voilà, deux stylets à paillettes avec un multiplacer de 10 et un de 3 ou 4, je ne sais plus, voilà, donc un de chaque. Et on a quelques petits sachets zippés pour ranger les diamants, voilà. Alors, il y a l'air d'en avoir quand même pas mal. Voilà, des petits sachets zippés. Voilà. Donc ça, c'est le toolkit. Donc là, je vois qu'il n'y a pas de pince. Donc on va regarder. Je ne sais pas du tout quelle toile est en diamant rond et laquelle est en diamant carré. Donc bah, celle-ci, c'est une diamant carré. Voilà. Donc on va regarder. Je suis vraiment désolée pour tous les bruits de plastique. On va déjà regarder la feuille de route. Alors le dessin, je le trouve juste sublime. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec toutes ces couleurs derrière, franchement, j'adore. Donc voilà, on a la feuille de route qui se présente comme ceci. Donc là, on voit bien que ce sont des diamants carrés. On a la taille juste ici, 30 par 40. Et du coup, là, on a les symboles, les références DMC, le nombre de paquets par couleur et la quantité de diamants par rapport aux références DMC. Voilà. Donc là, on a pour cette toile de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28.
On a 29 couleurs pour cette toile. Ce qui est quand même pas mal. Je la trouve plutôt jolie. On va regarder un petit peu les diamants. Donc, comme vous voyez, hein, c'est bien rangé à l'intérieur. C'est pas mis en vrac. Ça me rappelle un peu Manu Rachelstorff. Donc, on va regarder. Je vais essayer de tout dérouler. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ils ont l'air super bien taillés. Il n'y a pas l'air d'avoir de déchets. Ils sont même bien plats à l'arrière. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est vrai qu'à la caméra, des fois, c'est un petit peu compliqué. Mais franchement, ils ont l'air super bien taillés. J'ai vraiment hâte de tester ça. D'ailleurs, je pense que comme c'est des petites toiles, je me demande même si on va pas les faire, on va pas les faire ensemble. Voilà, on va regarder celle-ci. Donc là, il y a des petites pliures. J'espère que... Alors, j'ai quand même l'impression que c'est de la colle coulée et non du double face. Ah si, c'est du double face. Donc j'espère que ça ne m'a pas fait de rivière. J'ai l'impression que c'est juste le papier de protection du dessus qui avait fait des petites pliures. Voilà. Donc, je vais vous la mettre comme ça. Elle a l'air super jolie. Alors j'espère qu'après après l'avoir fait, la taille 30x40 va suffire. On va regarder l'impression. C'est très bien imprimé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de nous mettre un petit peu plus de lumière. Je ne sais pas si ça va changer grand chose. Voilà, c'est vraiment très très bien imprimé. Voilà. Franchement, je suis très contente. Je vais essayer de la refermer. Sans faire de pliure. Hop là. Si je fais des bêtises, ça commence mal. Bon, après, j'ai pas du tout de rivière. Hein. Comme vous avez pu le voir, c'était vraiment le papier qui... Je pense que c'est de la façon dont ils sont pliés qui crée ces pliures comme ça au niveau du papier. Mais sinon, la toile en elle-même est très très bien. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, c'est la première toile en 30 par 40. Donc de toute façon, je contrôlerai les diamants de mon côté. Voilà. Donc ça, c'était pour la toile en carré. On va voir ce qu'on a d'autre. Je découvre en même temps que vous. Hein. Donc ça a l'air d'être, si je vois bien, un chien. Voilà. Elle a l'air super belle aussi. Je m'excuse pour le plastique. Voilà. On va sortir. J'ai même pas regardé la taille. Je sais. Ah, 30 par 40 aussi. Voilà. Donc, c'est pour l'instant deux toiles en 30 par 40. On va regarder la toile après. Donc là, ce sont des diamants ronds. Je pense que je vais mettre pause la caméra et je vous reprends le temps de régler un petit peu la qualité. A tout de suite. Voilà. Je vais voir si c'est mieux parce que je trouvais que c'était un peu flou. Ah voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des diamants ronds. Ils ont l'air très très bien. De toute façon, on va regarder ça ensemble. Donc, on a toujours le toolkit, voilà, comme tout à l'heure. Donc, avec la barquette, le pain de colle, les petits sachets et les deux stylets avec un multiplacer de 4,
ou 3 et 1 de 10. Voilà. Donc c'est le même toolkit que pour les carrés. On n'a pas de pince non plus. Voilà. Donc on va regarder les diamants. De route, donc voilà, l'image elle est super belle, vraiment j'adore, moi qui adore les animaux, là je suis servie. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des toiles qui m'ont envoyé au hasard, donc je les découvre en même temps que vous. Donc voilà, pour l'instant je suis très satisfaite, les toiles me plaisent beaucoup. Donc là on est toujours sur la taille 40 par 30. On voit ici que ce sont des diamants ronds. Donc là, vous avez les explications, comme sur l'autre feuille de route. Et là, c'est pareil. Vous avez les symboles, le code DMC, le nombre de paquets et la quantité de diamants. Donc, voilà. D'ailleurs, c'est plutôt pas mal imprimé sur les feuilles de route. Je trouve ça bien. Donc les diamants, pareil, les ronds sont très bien rangés, hein, comme pour les carrés. Voilà, on va prendre peut-être une couleur claire pour voir mieux. Voilà. Donc ils ont l'air très très bien taillés aussi. Enfin du moins, il n'y a pas de... Ils sont bien plats, bien ronds. Il n'y a pas l'air non plus d'avoir de déchets. Ce qui est très bien. Voilà. Et tout ça, je vérifierai de mon côté, parce que sinon ça va vous faire une vidéo hyper longue. Donc voilà, allez, on va ouvrir cette toile pour la découvrir. Donc là pareil, hein, ça m'a fait, je sais pas si vous allez bien voir, ça m'a fait pas mal de plis, mais je pense que c'est parce que les toiles sont un peu roulées. Ça. Vous voyez, hein, ça ne crée aucune rivière. Je suis très contente. Voilà, j'espère que vous allez bien la voir. J'ai essayé de vous placer un petit peu plus près, mais du coup, c'est peut-être un peu compliqué pour vous de voir la toile en entier. Voilà. Donc là, hein, comme pour les carrés, c'est très très bien imprimé. Il n'y a aucun souci. Je vous montre. Même dans les couleurs foncées, c'est très très bien imprimé. Voilà. J'espère aussi que la taille sera parfaite. J'ai hâte de les tester. Pour voir ce que ça donne en petit format. Moi qui ai l'habitude de faire des très très grands formats, hein, comme vous avez pu le voir pour celles qui me suivent sur ma chaîne, j'ai vraiment des formats des fois un peu hors normes. Et du coup, c'est bien d'avoir aussi des petits formats de temps en temps pour changer. Et là, ça va me permettre aussi de me rendre compte du résultat une fois fini sur des petites toiles. De remettre au mieux. De toute façon, je remettrai bien à plat tout à l'heure. Voilà, donc celle-ci, on va la mettre de côté. Et on continue. Donc normalement, celle-ci, ça doit être des diamants spéciaux, si j'avais bien compris. Donc là, on est toujours sur une taille 30 par 40 cm. Voilà, donc pareil, hein, je ne connais pas du tout le motif de cette toile. Donc on va la découvrir aussi ensemble. Oh, ça colle, ça colle. Voilà. Donc là, pareil. Donc, voilà. On a un toolkit, donc qui n'est pas le même que l'autre, hein, vous voyez. Donc là c'était pour les diamants ronds et les diamants carrés, et là c'est le toolkit pour les diamants spéciaux. Donc là je vais vous l'ouvrir, parce que c'est la première fois que je vois ça.
je vous la fais tomber. Voilà. Donc, on a une pince. Donc, c'est du plastique. Je pense que ça doit servir pour les diamants spéciaux. J'en ai jamais vu des comme ça. Donc, voilà. Une pince noire. On a la petite barquette verte, hein, toute simple, avec le petit pain de colle. Et on a un stylet rose. Voilà, donc sans multiplacer, hein, forcément, c'est des diamants spéciaux. Voilà pour le toolkit. On va mettre tout ça là. Voilà, donc on va mettre ça de côté. On va s'intéresser à la toile. Waouh! Je la trouve super belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je la trouve vraiment jolie. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et franchement, là, je suis contente. Voilà. Donc là, par contre... c'est une partielle. Hein. Ça colle super bien. C'est vrai que je n'ai pas testé sur les autres. On va tester là sur la ronde. Hein, comme de toute façon, c'est du double face. Oui, ça colle très très bien. Voilà, je la mets de côté. Donc là, pareil, hein. Il n'y a aucun souci, ça colle super bien. Voilà, et je la trouve vraiment très très belle. Donc là, nous avons 9 diamants spéciaux différents. Donc on va regarder ça ensemble, hein, comme il n'y en a pas beaucoup. Alors, comment je vais l'ouvrir ? Je vais sortir. Hop, voilà. Donc on a 3 diamants comme ceci, ovale. J'adore la couleur. Elle est vraiment magnifique. Voilà. Donc on en a 3. Alors sur le petit sachet, vous voyez, vous avez 6. Comme sur la toile, le 6 là. Voilà. Donc, on a ceci. Ensuite, on a, voilà, des petites boules un peu blanc nacré. Voilà, qui sont très très belles aussi. Donc ça, ce sera le numéro 9. On a, pareil, des boules un petit peu plus grosses. Voilà, c'est un peu holographique comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais elles sont juste très très belles. Voilà. Tout dépend comment vous bougez, ça change un peu de couleur. Je les trouve sublimes. Donc voilà, pareil. Ici, vous avez le numéro. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a encore des boules nacrées. Mais comme vous pouvez le voir, elles sont plus grosses. Voilà. Donc, c'est les mêmes, mais en taille un petit peu plus grosse. Waouh, ils sont trop jolis. Vous avez vu? Là aussi, hein, on a des reflets holographiques. Et il y a l'air d'en avoir quand même pas mal. Hein. Je pense que ça doit se placer, je sais pas trop. J'ai cru que c'était là, mais... je sais pas du tout où elles vont. Peut-être au niveau des fleurs là, je sais pas si ça colle à cet endroit-là. Si, ça doit être, vous voyez, juste là. Et elles sont très très belles. Et ensuite, on a, bon ça, oui, on a des couleurs différentes. Enfin, on a des diamants spéciaux différents. Voilà, donc on a le numéro 1. Waouh. Je les trouve superbes. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en vrai, ils sont magnifiques. Ils sont un peu bleu transparent, comme ça, c'est très joli. Et de celui-ci, on a 2 paquets. Après, on a ceux-là. Je pense que c'est tous des bleus,
mais un peu différent. Vous voyez, celui-ci il est un petit peu plus foncé. Voilà. Donc là, on a deux paquets. On a encore un petit peu plus foncé. Voilà. Et là, on a deux paquets aussi. Et là, le dernier, le plus foncé. Donc, c'est exactement les mêmes, mais c'est des dégradés de bleu. Enfin, des... Oui, des dégradés de bleu. Donc, du plus clair au plus foncé. Voilà, ils sont très jolis. Je pense que cette toile-là, on la fera peut-être ensemble. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble une fois fini. Voilà. Donc, elle est très jolie. Et voilà, donc je savais bien qu'il restait quelque chose. Donc ça, c'est encore un cadeau. Voilà, donc la dame m'a dit que c'était un stylet. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais mon Dieu, comment ça s'ouvre? Donc voilà, tout simplement comme ça. Là, on a le couvercle, ça se clipse. Je ne sais pas si ça va me faire le focus. Voilà. C'est tout léger. Vous avez des petites paillettes à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose de super léger. À voir, à tester si c'est agréable quand on fait du diamond painting. Je vais tester ça quand je testerai l'étoile. Donc, voilà. Donc, c'est très gentil de leur part. Je suis vraiment curieuse de tester. En plus, j'ai pas l'habitude de faire des toiles avec des diamants spéciaux. Les seuls que j'avais fait, c'était les cartes de Noël. Voilà. Donc du coup, je pense que c'est la première que je testerai. Voilà. Bon, ben, sinon, je vous mettrai, s'il y en a qui sont intéressés, je mettrai de toute façon toutes les informations en barre d'infos. Donc le lien du vendeur et les prix d'étoiles aussi, si j'arrive à les retrouver, parce que du coup, ça risque peut-être d'être compliqué. Je vous mettrai plutôt le prix des packs pour celui de 3 toiles, de 5 toiles et de 10 toiles. Voilà. Parce que du coup, je pense pas que je pourrais retrouver le prix d'étoiles. Je sais pas s'ils les vendent à part sur leur site. Voilà, voilà. Sinon, je pense que c'est tout. Et puis, de toute façon, on se retrouvera très très vite pour de nouveaux unboxings, de nouvelles vidéos. Et puis voilà. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye !